Bonjour Hélène, tirage donc du amour du 12 au 18 décembre 2022. Voilà, ça c'est la dernière semaine de travail avec un Covid, mais ça vous le verrez dans ma vidéo vlog que je vais faire plus tard. Je pense que je ferai ça cet après-midi. Bon, bref, on s'en fiche. En tout cas, comme d'habitude, Alma Bosé, Keeper fin de siècle et le kiff. Oracle des miroirs, donc comme d'habitude, je n'ai pas sorti la consultante que j'ai sortie tout à l'heure, etc. Mais que vous n'avez pas vu, puisque voilà. Alors, la consultante. La voilà. Au milieu, as usual. Alors, on va. Hop, on va mettre comme ça. Toujours pas le trépied, parce que ce serait compliqué. Je suis pas très douée non plus, vous l'avez vu, j'ai pas la chaîne YouTube la plus suivie du monde. Voilà, donc hop. Je vais faire mon test juste après. Oh oui, vous voyez ma cuisine au fur et à mesure. L'oracle. Enfin, Keeper, l'oracle Keeper, fin de siècle. Hein, et l'oracle des miroirs. Tac, tac, et tac. Bon, voilà. Donc, on commence par en haut. Ouh, c'est super sexy, ça. Une femme importante. Non, je vais sortir comme ça d'un coup. Une femme importante. Rayonnement, chance. Je sais plus si c'est pas financière. Et miroir magique. Alors, déjà, le miroir magique, ça va tempérer un peu le négatif de la semaine. Alors 22, miroir magique, c'est la carte bleue de l'oracle de Béline, hein, pour les gens qui suivent. Je répète, 22 rayonnement, chance financière. Donc ça sera plus financier, je pense que là, l'instant, ça sera une femme importante va me donner de la chance financière. Ben, je reçois ma paye, je vais faire ma facture cette semaine, donc automatiquement je vais être payée. Automatiquement. Voilà. Après, alors, pourquoi, qu'est-ce que j'ai ça? Ah, j'ai le consultant Yel sur ce truc. Je ne prends pas, je vais prendre celle-là. Eh bien, une femme hétérosexuelle. Une rentrée d'argent inattendue. Mais je vais avoir de la culpabilité parce que je l'ai reçue. C'est que je me dis, j'ai pas le droit de la recevoir. Putain, il faut que je fasse ça aussi. Ça me fait penser. Mais j'aurais de la culpabilité à recevoir cet argent de cette femme hétérosexuelle. Est-ce que. Je sais pas. Je vois pas. Je vois sans voir, mais bon, pour l'instant, c'est assez calme à ce niveau-là. Donc, vu que j'ai eu le Covid, voilà, j'ai fait comme si j'avais ma fille. Donc, j'ai bloqué tout. Ce soir, non, mais bon. En tout cas, sur là, c'est. Femme hétérosexuelle va me donner je vais avoir une rentrée d'argent inattendue de la part d'une femme hétérosexuelle, mais je vais ressentir de la culpabilité. Mais comme il y a le miroir magique qui tempère les cartes négatives, bon, ça va du pas durer longtemps. Demain, juridiction, je passe au tribunal pour la chouchouna. Donc voilà, comme d'habitude, hein, c'est rien de neuf au soleil, une fois tous les 2 ans, c'est comme ça. Donc ça, juridiction, rayonnement, chance matérielle et miroir magnétique. Alors miroir magnétique qui est différent du miroir magique, miroir magnétique, vous mettez qui vous voulez dedans. Ouais, je vois. Alors, je sais pas, hein, mais si c'est une femme, elle va me dire que moi, c'est moi qui vais recevoir de l'argent, mais moi, j'ai pas envie de le recevoir. Miroir magnétique, on met qui on veut, toi, moi, vous, plus nous, plus ceux qui sont seuls, voilà, mais
Pour moi, je vois plutôt Elena, je vois ma fille. Ma fille s'appelle Elena, pour ceux qui ne savent pas. Ou Miss Petcouille, ou empêcheuse de tourner en rond, ou tu me vides le portable. Je ne savais pas que j'allais souffrir à ce point-là, entre guillemets. Mais bon, très adulte, hein, ma fille fait, ouais, mais bon, ça fait 6 mois que j'ai pas attrapé le Covid, j'ai pas eu de la voix. Donc, je te vois pas, maman. Bon, ok. Voilà, bon, ça, c'est ma fille. Après, sur, ben, tribunal. Tribunal, là c'est un couple. Là, je pense que là, vu que tout se passe bien au tribunal, je vais être un peu plus libre dans ma tête, comme Diego, les références de vieux, pour pouvoir être avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle. Peut-être là en ce moment, j'étais pas, enfin si, je suis toujours avec, mais disons qu'intellectuellement, je vais être un peu plus. Les choses sont passées, voilà. Et moi, je pense que. Ça va me donner un cadeau, mais moi j'ai pas envie de ce cadeau. Hein. Franchement, je vous le dis, franchement, j'ai pas envie de ce cadeau. Mais je vais recevoir un cadeau. Alors, à part culpabilité, culpabilité, il n'y a pas de carte négative la semaine prochaine. Il y a juste le repos de l'âme. Ça y est, tout est passé. On va aller mieux dans la tête. Voilà, mais après, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de financiers, pécuniers. Entrée d'argent inattendu de la part d'une personne hétérosexuelle, une femme hétérosexuelle, puisque dans le Alma Bosé, il y a la femme homosexuelle et la femme hétérosexuelle. Donc celle-là, c'est la femme hétérosexuelle. Voilà, puisque on voit plus le chouchou que la picha. Voilà, c'est voilà. Mais voilà, mais je vais ressentir de la culpabilité parce que je veux pas recevoir cet argent. Mais quelque part, je me dis. Bon, je vais dire non, bah ça c'est clair, net et précis. Je vais dire non parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Mais je veux pas être je veux pas culpabiliser. Je veux dire non, je refuse pour des raisons personnelles et juste mentales. Je refuse pour être tranquille, le moindre. Voilà. Mais pour l'instant, donc on a quand même les deux cartes judiciaires. Et bizarrement, demain, je passe donc au JAF à Bayonne. Voilà. Rien de grave, hein. De toute façon, c'est juste. C'est juste du quotidien pour moi. Enfin, je dis, j'en rigole, mais bon, voilà, je vais être un peu stressée demain, mais ça va aller, puisque de toute façon, je sais, je suis droite dans mes bottes, je sais ce que je suis, je sais ce que je propose, etc. Après, c'est pas à moi de décider, je suis pas le juge, hein, sinon on serait juge et partie, c'est pas bon. Mais en tout cas, de se dire que voilà, je vais recevoir un cadeau de la part de l'univers, et je vais pouvoir être un peu plus sereine dans ma tête par rapport à ma vie sentimentale. Ma vie personnelle avec Elena, elle est calée, elle est machin, sauf sur des incidents comme le Covid à l'heure actuelle. Ça, c'est autre chose et on n'en parle pas. Mais en tout cas, de se dire que bon, cette semaine, elle n'est pas trop dégueulasse. On verra bien la semaine prochaine. Je m'en rappelle même plus ce que je vous ai dit la semaine dernière, tellement que, bon, des fois, la vie passe. Et surtout, j'étais malade. La vie passe. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voilà. Donc, en tout cas, une semaine à peu près correcte, sauf culpabilité. Mais comme il y a le miroir magique, ben non. Voilà. Je vais faire la photo et je la mets sur Insta. Je mets en suivant la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!